a non-stop party. 19h tout pile à nos pendules, c'est la même heure partout dans le Cameroun. Votre émission qui est en train de commencer, c'est Fun and Free, bien sûr. Ravi une fois de plus d'être en votre compagnie pour cette autre édition. On espère, ou alors j'espère, puisque pour l'instant je suis seul sur ce plateau. J'espère que vous êtes nombreux une fois de plus ce soir à nous prendre en direct. On va passer ensemble de très très bons moments, car certainement tout à l'heure, tout ce que l'on aura préparé pour vous, vous sera clairement déballé. On va commencer d'ailleurs... pour cette première manche, bien sûr, entre 19h et 19h30, ce sera avec des SMS que vous nous enverrez, bien sûr, et une playlist savamment préparée pour vous par notre équipe de production. Sans oublier l'invité qu'on va recevoir ce soir, qui est déjà dans nos loges tout à l'heure. Il sera là. Je préfère taire le nom, car pour l'instant, c'est encore une surprise. Et lorsqu'il sera 19h30, on entrera dans le cadre du défi des stars. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bienvenue. Première piste musicale, première proposition à vous à déguster à la maison. On la prend et puis on revient juste après. Je suis le président de la République de l'ambiance, à Don Come Again, man. Levez-vous et dansez. Aïe, aïe, aïe. Compte en banque, ça c'est l'intérêt. Un jour la banque peut faire faillite, l'amour s'en ira. Si tu m'aimes pour ma jolie voiture, ça c'est l'intérêt. Mais le moteur là peut couler, l'amour s'en ira. Bébé, je t'aime pour ta belle poitrine, ça c'est l'intérêt. Oh, la poitrine là peut tomber, l'amour s'en ira. Je t'aime pour ta jolie démarche, ça c'est l'intérêt. Un jour tu peux perdre le filet, l'amour s'en ira. En amour, y'a pas d'intérêt. C'est pas comment ça vient, on ne sait pas comment ça va. On aime un point, c'est tout, en amour c'est comme ça. Bébé, je t'aime, un point c'est tout, oui. En amour, y a pas d'intérêt. C'est pas comment ça vient, on ne sait pas comment ça va. Nous, on aime un point, c'est tout, en amour c'est comme ça. Bébé, je t'aime, oh. Hey! Toi tu m'aimes parce que je sais chanter, ça c'est l'intérêt. Si un jour l'inspiration s'en va, l'amour s'en ira. Parce que je vis à mes hommes d'amour, ça c'est l'intérêt. Si un jour je suis rapatrié, l'amour s'en ira. Tu m'aimes parce que tu me vois à la télé, ça c'est l'intérêt. Et le jour que le câbleur va couper, l'amour s'en ira. Je t'aime pour ton grand succès, ça c'est l'intérêt. Ah non, le succès là peut finir, l'amour s'en ira. En amour, y a pas d'intérêt. C'est pas comment ça vient, on ne sait pas comment ça va. On aime un point, c'est tout, en amour c'est comme ça. Hey, bébé, je t'aime, oh. C'est pas comment ça vient, on ne sait pas comment ça va. On aime un point, c'est tout, en amour c'est comme ça. Bébé, je t'aime, un point c'est tout. Hey, oh, hey, oh, oh, oh. Ne me t'arrête pas, ne t'arrête pas. Ne me t'arrête, moi rien de moi, ne me t'arrête pas. Faut pas l'aimer parce qu'elle a si, ça c'est l'intérêt. Parce que si un jour elle n'a plus ça, l'amour s'en ira. Hey, faut pas l'aimer parce qu'elle a si, ça c'est l'intérêt. Un jour, il n'a plus ça. L'amour s'en ira. Si un jour, tu m'aimes pour mon boulot, ouais, bébé, ouais, ma. Et si un jour, je suis limogé, hey, si je t'aime pour ton beau corps, chéri, avec le poids de l'âge, tout peut changer. Hein? Toi, tu m'aimes parce que j'ai ce chanté. Ça, c'est l'intérêt. Si un jour, l'inspiration s'en va. L'amour s'en ira. Tu m'aimes parce que moi, j'ai trop de compas. Ça, c'est l'intérêt. Quand le téléphone ne va plus sonner, l'amour s'en ira. Tu l'aimes parce que tu veux des beaux bébés. Ça, c'est l'intérêt. Sangayana chatam
Thérèse, comme ça le titre de son tout dernier single, voilà, son tout dernier marché single. Et lui, c'est Espoo d'Ébène, certainement vous l'avez remarqué devant votre petit écran à la maison, bien sûr. Alors, on va donc, parlant de nouveaux singles, voilà, parlant de nouveaux singles, on va parler du tout récent single de celui qui arrive tout à l'heure. C'est vrai qu'il a déjà été sur ce plateau à une reprise. Et cette fois-là, on était, il avait fait un véritable show. Alors aujourd'hui, il nous revient à Douala et sur le plateau de Fun and Free pour nous parler d'un autre single que certainement vous avez pu découvrir déjà sur, dans les playlists de Team Télévision. Alors, le temps pour nous de l'avoir sur ce plateau, je pense qu'une fois de plus, on va se tourner vers la régie. Non, d'accord, on ne se tourne pas vers la régie maintenant. Ce qu'on va faire, je vais vous proposer de prendre les codes d'accès qui vous permettront de nous retrouver en direct sur ce plateau. Il s'agit du 694-65-05-88. Ces codes d'accès, vous savez pourquoi est-ce que ils sont ou alors ils seront tout à l'heure au bas de votre petit écran, bien sûr. C'est pour que vous puissiez nous envoyer... Hein, puissiez réagir en nous donnant des aperçus sur comment est-ce que vous aurez passé votre matinée ou pourquoi pas sur toutes de très belles blagues que vous aurez eu à lire ou alors à vivre hein, pendant tout ce que vous étiez en train de vaquer comme occupation durant cette journée. Alors, c'est pour au niveau de la régie, on prend cette autre virgule musicale, on se retrouve juste au verso pour la continuation. C'est parti. Oh, oh, Zaba, oi mamba. Me ba mi seven me yabo toa. Juna ah, Juna ah. Mi ba wa. Iga za bon mon zia jawa. Une fois, ben là encore j'étais petit. J'ai toujours rêvé d'être célèbre comme Michael Jackson. Michael Jackson. Ouais, oh. Je suis plutôt né comme fils d'un pauvre enseignant. Moi qui devais être né américain. Je suis plutôt né comme étant un bon africain. Moi qui voulais naître là où on boit du champagne. Je suis plutôt né là où on boit du matango. J'aime l'air naître là où on joue au billard. Je suis plutôt né là où on joue au sango. J'aime l'air naître là où on mange du caviar. Je suis plutôt que je suis. Je suis fier d'être africain. Fier d'avoir ma culture à l'antique. Joue-moi dans ça. Joue-moi le menjang. Joue-moi le menjang. Joue-moi le menjang de chez nous. Joue-moi le menjang. Joue-moi le menjang. Joue-moi le menjang de chez nous. Je n'ai pas le goût de rhum magnifique. Les dépenses, aïe, ouais. Reconnais que
que je n'ai pas le Congo Liban et l'intelligence de Manu Dibango, de Manu Dibango. Mais ce que je sais, c'est que je suis africain et je me battrai pour que mon Afrique aille de la bandité. Joue-moi le Mendiang, joue-moi le Mendiang. Je m'adresse à tous mes frères africains. Vous dites que le paradis est ailleurs. Battez-vous pour que votre continent aussi devienne un paradis. Alors je me battais pour mon verre rouge. Solo lo quito, solo lo quito. Retour sur ce plateau, le code d'accès sur le 694-65-05-88. Si vous nous prenez un instant, sachez que vous êtes sur Fun and Free, votre programme de pur divertissement sur la télévision, qui est en train de commencer, effectivement, commencer tout simplement parce que notre invité, il est déjà sur ce plateau. Si certainement vous avez été un peu attentif, ou alors si vous avez laissé pousser votre matière, vous aurez dû constater que l'invité de ce soir, c'est nulle autre personne que Dynasty le Tigre, qui est déjà sur ce plateau, à qui on va certainement, hein, je ne sais pas si au niveau de la régie c'est prêt. D'accord, on va passer le bonsoir, Dynasty le Tigre, bonsoir. Bonsoir, bro. C'est comment, non, papa? Là, tu vois, c'est comme un chef, non? Aïe, 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 aïe. C'est pas n'importe qui, quand même, qui fait l'émission à Team TV, donc. Je peux qu'aimer comme ça et faire mon pied comme ça. C'est quoi. Comme un chef. Ah, c'est ça. C'est pas de nous, non. Alors, certainement, Dynasty le Tigre qui est sur ce plateau une fois de plus ce soir. Et on va passer ensemble près de 90 minutes. On va parler de bon nombre de choses concernant Dynasty le Tigre. Mais on va beaucoup plus appesantir sur sa carrière. Et en parlant de carrière, ce nouveau single, Joue-moi le Mendiang. Joue-moi le Mendiang. Joue-moi le Mendiang. Quand j'étais petit, j'ai toujours rêvé d'être célèbre comme Michael Jackson. Mais moi qui rêvais d'être fils d'un président, je suis plutôt comme fils d'un pauvre enseignant. Moi qui rêvais d'être né américain, je suis plutôt comme étant un bon africain. Moi qui voulais naître là où on boit du champagne, je suis plutôt né là où on boit du matango. Je voulais naître là où on dit good morning, je suis plutôt né là où on dit un boulot. Alors joue-moi les Mendiang, joue-moi les Mendiang. C'est Dynasty le Tigre, un garçon pétri de talent qui vaut son pesant d'or, ça c'est vrai. Alors Dynasty, yes. Pourquoi joue-moi le Mendiang? Bon, joue-moi le Mendiang, c'est même encore pourquoi là. Ah, voilà, c'est bon. Bon, joue-moi le Mendiang parce que tout simplement, quand je parle du Mendiang ici, le Mendiang dans le sens propre définit tout simplement le balafon, ça mm-hmm. signifie le balafon, mm-hmm. mais dans le sens figuré, en ce qui concerne la vision de la chanson, c'est tout simplement une manière de faire comprendre à tous les jeunes africains que nous sommes que non. Il est temps qu'on regarde en arrière. Bien sûr. Mais les gars, vous-même, on commence déjà à déranger. On ne connaît même pas nos villages, notre tradition et tout. On embobine déjà trop les gens, les yeux des gens avec les gros clips, les grosses voitures qu'on prête à gauche et à droite. Mm-hmm. On prend même les filles qui ne sont même pas trop androïdes dans la vraie vie.
Et tout ça parce qu'elles se sont injectées pour être brunes. On les met dans les voitures des gens qu'on a prêtées. On loue les chambres d'hôtel pour tourner les grands clips. Alors que ce n'est pas ça qu'on a avant. On n'a pas les belles voitures à vendre au niveau mondial. OK? Excuse-moi, hein, je sais que nous sommes Vas-y, dans une vas-y, chaîne de vas-y. télé. Oui. Oui, on ne va pas épater le blanc avec la voiture de marque Toyota ou bien BMW ou tout ça. On Sans peut pas, publicité, bien sûr. non, sans publicité, on ne peut pas épater le monde en leur montrant ce que tout le monde a déjà vu et ce qui n'a même pas besoin de notre pub. Je vous en veux, mais je peux plutôt vendre mon Cameroun en montrant à quoi il ressemble. Par exemple, le statut d'Eido là. Oui, ça c'est du nous ça. Je vois quand on est à Bonanjo là, il y a des monuments, il y a des grandes personnalités qui sont morts au Cameroun. À Yaoundé, nous avons Martin Charles Atangana au niveau de la ville là, et Bolova, on a Martin Paul Samba. À Bafoussam, il y a des trucs un peu de Bon, partout. C'est ça qu'on a à vendre. dans Du le coup. dans le vidéogramme du Menzan, tu l'as tourné dans un village, c'est ça? Oui. Je l'ai tourné dans un village. Et c'est quel village ça? Ce village s'appelle Simalène. C'est C'est Malène? dans ce même village que se retrouve l'aéroport de Yaoundé. Ah L'aéroport de Simalène, c'est le village de Simalène. ouais. Ah d'accord. Alors en parlant de cette chanson, le Menzan, quelle est la particularité? Pourquoi est-ce que quelqu'un devrait écouter le Menzan? Quelqu'un qui va écouter du Mandjan comprendra tout simplement que quand on était tous petits, on rêvait être autre chose. Mais quand on a grandi et que nous sommes grands, à la fin des fins, en tant qu'adulte, on comprend que Dieu n'est pas fou. Il sait pourquoi il a permis à ce qu'on soit né ici. Donc, je dis, quand j'étais petit, je voulais être comme Michael Jackson a accueilli les autres. Mais quand j'ai grandi, je suis plutôt né comme étant le contraire. Alors, à la fin des fins, je suis fier d'être ce que je suis. Je suis fier d'être africain. Quand on voit certains Africains aujourd'hui qui rêvent d'aller vivre chez les autres, et ils disent que là-bas c'est le paradis, alors que nous-mêmes nous pouvons faire de notre Afrique un paradis. Bon, mais dans l'arrangement de la chanson, est-ce qu'il y a des sonorités en rapport avec le Menzan même? Parce que lorsqu'on écoute la chanson, si quelqu'un prête attentivement l'oreille, je ne sais pas si on retrouve des sonorités liées au Menzan dedans. Le problème c'est qu'il y a des sonorités de Menjang, mais je vais dire que l'erreur a été faite au niveau du mastering. Parce que moi j'écoute ça très bien. Moi je suis un instrumentiste. Oui, ça je sais. Voilà, je joue aux instruments. Donc moi en tant qu'avec mon petite oreille musicale, j'écoute du Menjang, mais c'est juste un peu bas. Voilà, mais c'est ça joue là. Donc ce que je suis en train de dire c'est qu'il y a du Menjang. Et D'accord. c'est pas ça le combat. Le combat pour moi c'est de vendre mon Afrique. Oui. C'est de vendre. Je veux que les gens sachent qu'est-ce qu'on appelle le Menzan et qu'ils aient même envie de venir découvrir à quoi ça ressemble et quel est le but du Menzan aussi. Ah, d'accord. Alors, donc, Joue-moi le Menzan, c'est un single qui est dans le dernier album ou alors ça annonce plutôt l'arrivée d'un autre album? Moi, je ne sais pas ce que vous appelez single, mais je dis, je sors mon album. Oui. Et quand je sors un album, même s'il a 100 titres, je peux prendre l'initiative car chaque 4 mois, je vais Oui, tourner le tu. clip de l'une de mes chansons. Donc, j'ai sorti mon album le 31 mai Oui. à l'Institut français de Yaoundé. Et j'ai tourné le premier clip Ah, où j'étais d'accord. en featuring avec Stanley Stanley, Non. non, Et là, c'est le deuxième clip que j'ai tourné. Ça fait déjà un mois ouais. qui est disponible. Ça fait 2 semaines. Vous le voyez déjà. Et Team TV, ça joue et Oui. bien d'autres chaînes de télé aussi. Bien sûr, alors certainement une fois de plus on se tournera vers la régie. Le code d'accès, je vais le redonner, c'est le 694-65. 0598, ce code d'accès qui vous permet comme ça de nous retrouver sur ce plateau. Et pourquoi pas de poser une question à Dynastie Lotique qui est déjà là. Voilà. Vous pourrez ainsi poser une question à Dynastie Lotique qui est déjà assis sur ce plateau et aussi envoyer un SMS en rapport avec les blagues, ainsi de suite. Bien, nous, pendant ce temps, on va se tourner une fois de plus vers notre invité, Dynastie Lotique, qui certainement va nous accompagner durant toute cette émission. Alors, Dynastie Lotique, Ouais, je suis tranquille. voilà. Alors, Là, c'est tu es quelqu'un de comment, très mon cool, fils? hein, Moi, franchement. si
le fait que je suis sérieux pour une minute, ça te dérange. Tu me dis aussi, je gâte l'émission. Non, comment tu vas gâter l'émission? Parce que tu me rappelles d'une astuce, je dis, wesh, tranquille, poteau, ça t'énerve encore. Au lieu de t'énerver. Non. Comment ça pourrait m'énerver, hein? C'est cette atmosphère que, voilà, on prend ce premier un peu en bout de fil. Allô, bonsoir. Bonsoir. Comment je t'appelle? Nicole. Pardon? Nicole. Nicole, tu nous appelles d'où? Douala. Depuis Douala. Tu aurais une question à poser à Dynasty? Oui. D'accord, vas-y. Bonsoir, Dynasty. Bonsoir, Niki. J'aimerais savoir le clip avec Stanley Eno. Oui. C'est pour ressentir l'amour ou bien c'est pour exprimer un sentiment parce que mon petit ami, il aime trop. C'est pour mettre en garde. Ah! Ça veut dire que comme si ton petit ami croyait qu'il est trop mignon parce que toutes les filles l'aiment, qu'il fasse attention. Parce que si il oublie que tu es la femme qui l'aime pour ce qu'il est et non pour ce qu'il a ou bien pour ce qu'il montre aux gens, il va se perdre. Donc je voulais faire comprendre à ton petit ami que tous les petits gars qu'il avait déjà avant, tu vois, il fallait qu'il les abandonne pour toi seul. Sinon, quand tu vas l'abandonner, il va comprendre que les gars du dehors, ça sert à rien. Ok. Merci. Est-ce que je pourrais avoir une petite acapella juste du refrain? Ta femme, c'est ton plus beau cadeau. Yeah. Si tu ne peux pas prendre soin d'elle, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Et tu verras ta femme, c'est ton plus bon cadeau. Yeah. Si tu ne peux pas prendre soin d'elle, quelqu'un d'autre le fera. Voilà, tu vois, tu chantes même. Mais Niki, toi là, tu n'es pas bien. Merci. Tu chantes même plus que moi, tu te moques de moi. Oh. Okay. Alors, Nicole. Oui. On reste connecté. Passe le bonsoir à 4 personnes. Ok, je passe le bonsoir à mon père, oui, à ma mère, à mon petit ami et à Dynasty le chien. Yes! D'accord, merci Niki d'être passé. Voilà, la saga elle est ouverte, elle est lancée. Les codes d'accès ils sont au bas de votre petit écran, vous pouvez nous appeler. Ah, bon, vous semble, bien sûr, c'est pas grave. Je sais pas si au niveau de la régie, un autre appel? Non. Alors, je pense qu'on va prendre un autre escale musical, bien sûr, avec l'aide de la régie, puis on reviendra juste après. La femme de mes rêves, l'homme de mes rêves, I love you. I love you.
tour sur ce plateau après cette très belle ponctuation qui met en relief comme ça le featuring explicite de Dynasty le Tigre et Mimi de Paris. Très beau vidéogramme d'ailleurs, Daddy Daddy. Alors le code d'accès par SMS, c'est le 694 716-0588. Et par appel, c'est le 699-79-90-95. Et le 675-09-78-51. Vous pouvez nous appeler en direct et puis poser une question direct à Dynasty le Tigre qui est encore sur ce plateau et qui certainement va nous accompagner durant un bon nombre de temps. Encore, bien sûr. Alors, Dynasty Mbombo. Ah, on prend d'abord cet appel. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Je t'appelle comment? C'est toujours Nicole. Oui, Nicole. Question pour Dynasty. Vas-y. Dynasty, pourquoi choisir Daddy Daddy? Voilà, pourquoi choisir Daddy Daddy dans ce featuring, hein? Pourquoi choisir Daddy Daddy comment? Elle est partie. Alors, certainement, déjà, il faut préciser que la chanson, c'est Dynasty qui accompagne Mimi de Paris. En tout cas, Dynasty qui soutient Mimi de Paris. Voilà, c'est la même chose. C'est Dynasty. C'est pas la même chose. Ah, d'accord, la différence. Soutenir et accompagner. Soutenir, oui. Le verbe soutenir, oui. Et accompagner. Ah, d'accord, le seul problème, c'est au niveau du mouvement. Il n'y a pas de souci. D'accord, je comprends. Donc, Dynasty qui accompagne, qui soutient, voilà. Mimi de Paris dans ce vidéogramme. Cela, dans cette chanson, autant pour moi, cela laisse entendre que la chanson, c'est celle de Mimi de Paris. S'il faut le dire ainsi, c'est ça? Celle de Mimi de Paris, écrite, composée, arrangée par Dynasty le Tigre. Ah, d'accord. D'où la question, pourquoi Daddy Daddy? Daddy, Daddy. Pourquoi le titre Daddy Daddy? Parce que c'est déjà ça le titre de la chanson. Et en fait, pourquoi Daddy Daddy? Daddy Daddy parce que tout simplement, là on joue en couple, tu vois. Le but même de la chanson, c'est de montrer aux gens que, surtout nous les Africains, on s'est rendu compte que les couples en Afrique, c'est toujours les bagarres. Les gens ont du mal à se dire je t'aime bébé, tu es belle, tu es beau. Toujours tu me regardes, tu sors d'où jusqu'à 7h. Quand ils veulent te taper dans cette maison, quand les enfants sont têtus, c'est les enfants de papa, c'est les enfants de maman. Quand les enfants sont bien, voilà, c'est mes enfants. Dès qu'ils dérangent, tu vois les enfants, tu m'accouches les bandits, ceci. Toujours les guerres. Et on voulait montrer un autre visage de l'amour africain. On peut se décider, même s'il est le plus donne-man de tous les siècles, il peut se décider à arriver chez lui, prendre son côté charismatique et tout, poser ça de côté et dire qu'aujourd'hui, bébé, tu es la femme la meilleure du monde, je vais t'aider à laver les habits, et on va préparer ensemble. Pourquoi ne pas rigoler et jouer à la maison, tu vois, entre mari et femme. Mais tout le monde veut montrer que c'est moi. C'est moi qui tiens le bâton de commandement dans la maison. D'ailleurs, au Cameroun, même en Afrique, il y a déjà certaines femmes qui tapent les hommes. Ça a toujours existé ce phénomène. Alors, j'espère que pour toi, Nicole, c'est clair. Le Daddy Daddy, c'est une appellation... Des amoureux, quoi. D'amoureux, hein. Qui se bécotent sur le banc. Voilà. Bien. Je pense qu'on va prendre la transition du côté de la régie. On la prend rapidement et puis on revient après. Non-stop party. C'est la fille, le défi des stars. Le Fun and Free, le défi des stars, mesdames et messieurs, si vous nous prenez un instant, c'est dans le cadre du défi des stars, la seconde manche même de ce programme que nous sommes en train d'entrer. Rapidement, je vais vous présenter qui sont à défi ce soir. C'est vrai que Dynasty le Tigre connaît déjà le principe de l'émission. Il sait que dans à partir de 19h30, on entre dans une deuxième séquence qui met à défi deux artistes musiciens camerounais professionnels. Bon, l'heure, je ne connaissais pas, mais je connais, voilà. Je connais le défi. Alors, le plus important, c'est cela. Alors, à défi ce soir, il s'agit de deux grands hommes de la musique camerounaise. On va commencer avec le premier qui commence la musique dans les années 60. Les années 60, hein, voilà.
dans les années 60. Déjà, les deux commencent même la musique dans les années 60. Aujourd'hui, considéré comme étant le défenseur des femmes et l'un des mentors de plusieurs artistes camerounais, il se fait appeler l'enseignant, Rabba Rabi. Alors, aujourd'hui, il est à défi sur la télévision et puis j'espère que vous serez nombreux à réagir, hein, soit pour lui, soit pour l'autre. Mais rapidement, on va à la découverte de ce grand homme de la musique camerounaise et on revient après. Choisissez la chanson que vous voulez que je chante. Ah, il y en a tellement. Alors, on va commencer par laquelle? Barabi qui est à défi ce soir. Et certainement, vous vous posez la question de savoir, mais qui va pouvoir affronter ce grand homme de la musique? Je dirais même cet alligator de la musique camerounaise. Effectivement, ce soir, on va trouver, ou alors on a trouvé pour lui, avec l'aide bien sûr de la Ligue professionnelle de la musique camerounaise, quelqu'un qui pourrait rivaliser d'adresse avec lui. Alors, je ris tout simplement parce que directement, lorsque je décide de parler de lui, je me rappelle des vidéogrammes de son époque. Il est aujourd'hui, on va faire une simple présentation de sa personne, ok? Il est aujourd'hui un grand maître aussi, un ténor. Quand on parle des chanteurs tels que Longuet Longuet, on pense à lui. Lorsqu'on parle de Jacky Kinguet, on pense encore à lui. Lui, c'est tout simplement le directeur de la Préa Musique. Voilà. Certainement, vous à la maison, vous avez déjà votre petite idée. On sait qu'il nous vient du côté de Nkonsamba. Et il chante aussi en langue maternelle. Il était certainement l'une des premières personnes à chanter en langue maternelle, hein, d'origine de ce côté-là, en fait, de ce côté-là du Cameroun, bien sûr. On prend rapidement son vidéogramme, question de découvrir, de le découvrir en musique bien sûr, et puis on revient juste après. Aïcha, Aïcha. Je vous prie.
Fell off free, le défi des stars. Fell off free, le défi des stars. Fun and Free, le défi des stars. Il y a défi ce soir, c'est nul autre que Petit Pays, Rabat Rabi, qui croise le fer avec le Prince des Montagnes, Prince Dedi et Yango. Alors, qui ce soir sortira vainqueur ou alors prendra la première place, bah, parce que c'est vrai que c'est un duel, mais c'est pas dans le sens que l'on pourrait donner au duel que vivaient les gladiateurs. Non, c'est pas dans ce sens-là, car ce que l'on met à défi ce soir, c'est le talent de ces deux messieurs. Il est important de le préciser, la culture camerounaise regorge en son sein de nombreux talents. Et on pourrait dire de ceux-là qui sont de la vieille école, mais on est sûr de nous qu'aujourd'hui encore, ils sont nombreux, des jeunes Camerounais qui sont pétris de talent et qui sont en train de monter en force. La preuve, sur ce plateau, Dynasty le Tigre qui est encore avec nous, c'est vrai, il a l'air vraiment fatigué. Hein. Dynasty, yo, tu es là? Je suis là. Ah d'accord, certainement tout à l'heure, tu vas nous donner ton point de vue par rapport à ce défi. On prend d'abord ce premier appelant. Allô, bonsoir. Bonsoir. Comment je t'appelle? Oui, c'est William. William, tu nous appelles d'où? De 5 étages. De 5 étages. Ah ouais. D'accord, ce soir, tu votes pour qui? Je vote pour Petit Pays. Pardon? Petit Pays. Pour Petit Pays, Rabat Rabi. Alors, tu aurais une question à poser à notre guest star de la soirée, Dynasty le Tigre? Non, je voulais juste que le de ce qu'il fait. Oui. Et je voulais te demander s'il pouvait compter, en fait, j'aimerais compter avec lui dans son téléphone privé pour, faire une fierté de pouvoir travailler avec lui. Alors, moi, je suis un... Alors, pardon, William, on a du mal à t'écouter parler, s'il te plaît. Je te disais, ça me ferait une fierté d'avoir son contact et de pouvoir travailler avec lui parce que j'aimerais travailler avec des gens comme lui. Ah, d'accord. Son contact pour pouvoir travailler avec lui. Le bonsoir. D'accord, c'est noté. Alors, passe le bonsoir à trois personnes. Je salue ma famille. Oui. À vous qui êtes au studio. Oui. Et ma soutane. D'accord, merci. Merci d'être passé. Alors, Dynasty, tu as cette demande de William, qui est un téléspectateur, qui est instrumentiste comme toi. Alors, il aimerait travailler avec toi. Ok, ce que je peux dire à William, c'est qu'on peut bien travailler ensemble, mais je ne peux pas donner mon numéro ici, personnel, mais je peux donner le numéro de mon manager, voilà, qui est le 696-91-76-13. 696-91-76-13. Ou 13. Alors taper tout simplement Dynasty Warcolor sur Facebook. Et là-bas, je cause beaucoup. Hein. J'aime plus écrire que parler au téléphone, j'aime pas. D'accord. Donc certainement, les contacts sont donnés. C'est vrai que c'était pour William, mais en même temps, c'est pour tout le monde. Suivez mon regard tout de même. Bien. Alors, le temps comme ça que vous nous retrouviez sur ce plateau à partir de vos codes d'affaires, en fait des codes d'acier, qui sont au bas de votre petit écran, bien sûr. Nous, on va continuer avec Dynasty Loti, qui est certainement sur ce plateau pour nous parler de cet autre vidéogramme qu'il a mis sur le marché. On prend d'abord cet appel. Allô, bonsoir. Bonsoir. Je t'appelle comment? Patrick. Patrick, tu nous appelles d'où? J'appelle de Bépanda, voilà. Depuis Bépanda, Douala. Ce soir, tu votes pour qui? Je vote pour Dédé Yango. Prince Dédé Yango, c'est noté. Alors, tu auras une question à poser à Dynasty le Tigre? En tant que père, je trouve qu'il est vraiment fatigué. Je le vois assis là, tellement fatigué. Du courage pour lui, du courage, Dynasty. Merci, Broda. Je ne suis pas fatigué en tant que tel, mais tu vois, j'économise l'énergie parce que ce soir, à partir de 23h, c'est du show du côté du Georges V. Je sais. Voilà. Voilà, et du coup, je ne veux pas trop bouger, sinon l'énergie va partir. Merci beaucoup. Ok, mon père, toi bien. Merci beaucoup. Bien, Patrick, passe le bonsoir à trois personnes.
trois personnes à moi, un qui est couché dans ma maladie. Voilà. Ma nièce, Fali et Junior à la maison avec moi. Voilà. Et mon grand frère au milieu qui est chez lui déjà, mon ami Sadi. D'accord. Merci d'être passé, bien sûr. Alors, Dynasty, par rapport aux maisons, qu'est-ce qui a été mis en place pour pouvoir, en thème de promotion, bien sûr, pour pouvoir permettre ce vidéogramme ou à cette chanson d'être prisée? Bon, ce que moi je peux dire, c'est que Dynasty, je travaille pas mécanique. Je travaille naturel. Je sors mon truc et des jeunes comme moi qui croient en moi me soutiennent et me font avancer, qu'ils soient mes égaux ou mes aînés. Donc d'ailleurs, je vais dire merci à la chaîne de télévision Team TV. Et au niveau de l'international, Tres Africa aussi soutient. Il y a aussi Bibla qui te soutient avec le même clip. Je compte pas les chaînes de télé au Cameroun. Donc c'est chaque jour qui passe, il y a quelqu'un qui découvre le Dumenja. Et c'est ça la vraie magie. La vraie magie, c'est que on est naturel, on propose, ceux qui se reconnaissent, ils essayent d'apporter une pierre à l'édifice. Et c'est comme ça qu'un projet a mûri. D'accord. Alors, des tournées de prévues dans le Cameroun? Donc, quand on parle des tournées de prévues, aujourd'hui, je joue au Georges V. Oui. Et demain, je joue à Bamenda. Oui. À l'ancienne Dreamland. Et samedi, je joue à Bafoussam. Oui. Je reviens à Douala dimanche pour continuer la promo jusqu'à mercredi, jeudi. D'accord. Donc ça, c'est ton itinéraire comme ça. C'est ta trajectoire par rapport, bien sûr, à la promo de cet album. En fait, de cette chanson, voilà, autant pour moi. Alors, ce qu'on va faire, on va certainement continuer dans le sens même de cette émission, voilà. On va certainement continuer dans le sens même de cette émission. On continue d'attendre vos réactions pour nous aider comme ça à départager ces deux artistes camerounais. Il est important de le rappeler, les codes d'accès, ils sont toujours au bas de votre petit écran, donc vous pouvez nous appeler. Lorsque vous le faites, vous vous présentez, vous dites d'où est-ce que vous appelez, vous votez pour l'un des artistes, et surtout, si vous avez des questions à poser à Dynasty Lotik, vous le faites, et on vous donne l'opportunité de passer le bonsoir à un certain nombre de personnes. Et s'il vous plaît, ne pas oublier le slogan de l'émission au sortir de votre appel. C'est fun and free, c'est vraiment free, bien sûr. Alors, Dynasty le Tigre, une fois de plus, on va essayer de prendre une légère ponctuation et puis on se retrouve après. Fun and free, défi des stars. Il faut pardonner. Il faut pardonner. Je sais, c'est pas facile, c'est difficile, mais il faut pardonner. Alléluia, alléluia, amen. Alléluia, alléluia, amen. Alléluia, alléluia, amen. Pardonnez, il faut pardonner. Wanja, Oka, Wanja, Oka. C'est pas facile. Mais il faut pardonner. Pardonner les Africains. Pardonner, pardonner. Oh. Pardonner, pardonner. Oh. Pardonner, pardonner. Pardonner.
pardonner. Tous ceux qui veulent aller au ciel doivent pardonner. Et oui, c'est pas facile, je le sais. L'amour, c'est comme un jardin de fleurs qu'il faut arroser chaque jour. L'amour, c'est comme le corps humain, il faut l'entretenir, il faut le nourrir. Je me suis inscrit à le corps d'amour, tout simplement pour apprendre à t'aimer, avec un lendemain plein de lumière. Une chose sur mon cœur va pour toi, femme unique et définitive. Avec toi tout est différent et tout est unique. J'ai retrouvé le sourire, j'ai retrouvé la paix. Tu es la lumière, maman, qui éclaire mon chemin. Enfin j'ai accepté, redonne mon cœur. Sans rien entendre, beaucoup à apprendre, sans peur ni doute, oh chérie. Je me suis inscrit à le corps d'amour, tout simplement pour apprendre à t'aimer, avec un lendemain plein de lumière. Une chose est sûre, ma vie est faite pour toi. Ah oui, pour toi je vais déplacer la nuit. C'est l'amour, je t'aime à l'heure du matin. C'est l'amour, et l'amour n'existait pas. Je l'aurais créé pour toi, oh maman. Je me suis inscrit à le corps d'amour, tout simplement pour apprendre à t'aimer. Même si le lendemain est fait d'un peut-être, une chose est sur mon cœur, ma pour toi. J'ai effacé ton passé pour écrire ton futur. Car ton passé est passé, il est passé. Le préfet Bernard Okalia est témoin. Ah oui. Je te sais si fragile, oh mon amour. Mais je te promets ton cœur en sécurité. Avec un lendemain qui est plein de lumière. Une chose sur ma vie est faite pour toi. Retour sur ce plateau après cette légère virgule, mesdames et messieurs, c'est Fun and Free, votre programme qui est en train de se dérouler, bien sûr. Et ce soir, à défi, c'est Petit Pays, Rabat Rabi, qui croise le fer avec Prince Dedi et Ango. Rapidement, on va prendre des SMS. Bonsoir à vous, c'est Mandengue depuis Akwa. Je vote pour Petit Pays et je passe un coucou à ma mère, voilà, à ma mère Mariama. Alors, rapidement, on va repartir avec cet autre SMS. Bonsoir, moi, c'est Ndedi Rose de Makepe Misoke. Je vote pour Ndedi Yango. Et je passe le bonsoir à Dynastie le Tigre. Et je lui souhaite beaucoup de courage dans ce qu'il fait. Bonne soirée à vous. On prend cet appel. Allô, bonsoir. Allô. Allô, bonsoir. Bonsoir. Comment je t'appelle? Malheureusement, elle est partie. On espère qu'elle va nous revenir tout à l'heure. Voilà, bonne soirée à vous. C'était Dedi Rose qui votait pour Prince Dedi Yango. On continue donc rapidement avec cet autre SMS. Salut à vous, voilà. Salut à vous en studio. Moi, je vote pour Rabat Rabi pour sa régularité et le travail abattu pour la musique camerounaise. Coucou. Ah ma chérie, on prend cet appel. Allô, bonsoir. Bonsoir, je m'appelle La Pensée. La Pensée, ma pensée. Oui. Comment tu vas, ma grande? Bien. La journée a été? Oui. Alors, tu nous appelles d'où?
J'appelle de Bonanga. Depuis Bonanga. Tu votes pour qui ce soir? Je vote pour Dédé Yango. Prince Dédé Yango. Tu aurais une question à poser à Dynastie le Tigre? Ouais. Est-ce que tu... J'aimerais lui demander d'où vient cette inspiration, parce que j'aime bien ce son. D'accord. D'où vient cette inspiration? Tu aimes bien ces chansons. Passe le bonsoir à trois personnes. Je passe le bonsoir à mon petit frère. Oui. À ma mère. Oui. Et à ma copine. D'accord. Fun and free? J'aimerais qu'il y ait celui qui est à côté de toi de bien s'asseoir. Ah, d'accord. C'est Dynastie le Tigre. Ah, d'accord. Ok. Fun and free? J'aimerais qu'il chante la chanson Joue-moi le Mendam. Tu aimerais qu'il chante la chanson là, hein? Oui. D'accord, Dynastie chante la chanson Joue-moi le Mendam. Je reconnais que je suis pas international comme Samuel Eto'o. Je reconnais que je suis pas emblématique comme Thomas Sankara. Yeah. Je reconnais que je n'ai pas le coup de rein magnifique de Lady Ponce. Aïe, oé, oé. Je reconnais que je n'ai pas le Congo Libon et l'intelligence de Manu Dibango. Mais ce que je sais, ce que je suis africain. Et je me battrai du pour que mon Afrique aille bien la part du Dieu. Et joue-moi le D'accord. Tu sens même bien, toi. Alors, le bonsoir à trois personnes. D'accord, bye bye, bye bye. Merci. Merci d'être passé. On repart avec cet appel. Allô, bonsoir. Bonsoir. Je t'appelle comment? Brigitte. Brigitte, tu nous appelles d'où? Oyac. Depuis Oyac. Comment vous allez là-bas? Très bien. Ça, c'est cool. Tu votes pour qui ce soir? Je vote pour Dédé Yango. Prince Dédé Yango, c'est noté. Est-ce que tu aurais une question à l'endroit de Dynastie le Tigre? Non. Bien, passe le bonsoir à trois personnes. J'ai dit bonsoir à mes petits anges. Oui. Bélicia, Lauréa et Nano. D'accord. J'ai dit bonsoir à ma copouse. Ok, c'est noté. Merci d'être passé. Salut à vous en studio, moi je vote pour Rabarabi, pour sa régularité, le travail abattu. Pour la musique camerounaise, coucou à ma chérie Karine Pessia Vidal de Bounamoussadi. C'est noté, c'est Vidal de Bounamoussadi? Ah d'accord, c'est vrai. C'est qui Rabarabi? C'est la question que nous pose la régie. Il faudrait voter, lorsqu'il faudrait voter, il faut voter les noms qui sont mentionnés au bas de votre petit écran. Et non les surnoms, voilà. C'est noté. On repart donc rapidement avec cet autre SMS qui nous arrive à l'instant. Salut, je suis Madame Dicosso, je vote pour Petit Pays. Bisous à mon chéri Augustin Dicosso. Chéri, je t'aime pour la vie. Ah oh, d'accord, ça c'est cool, Madame Dicosso. Certainement Augustin est ravi, hein, et puis il est très content d'avoir une femme comme toi. Allô, bonsoir. Bonsoir. Je t'appelle comment? Mohamed, depuis Bénédicte. Ah oui, ça je savais. Mohamed, comment tu vas? Ça va très bien, voilà. La journée a été? Parfait. Cool. Alors, tu votes pour qui ce soir? Petit Pays. Petit Pays. Oui. Ok, tu aurais une question à poser à Dynastie? Deux questions. Vas-y. La première question, je voulais savoir, Dynastie, on m'a dit que tu avais un featuring à faire avec le chanteur togolais Papou. Quand est-ce qu'on va... La vidéo, j'ai entendu que tu as un futur appel avec Papou. Voilà. Et seconde question. Tu as mis beaucoup de temps pour qu'on puisse voir tes clips à South Africa. Ok, ça fait les deux questions. Oui. Mais c'est vrai que la dernière question paraît beaucoup plus affirmative qu'interrogative. Oui, c'est pourquoi tu as mis beaucoup de temps. Attends, on ne voyait pas trop les clips de Dynastie à South Africa. Ah, d'accord. Ok, c'est noté. Passe le bonsoir à trois personnes. Bon, je dis bonsoir à ma petite princesse. Oui. Bonsoir à mon papa du côté de Fumban. Mm-hmm. Et à toute l'équipe de Team Télévision. D'accord. Fun and free? C'est vraiment free. Merci d'être passé. Alors, Dynastie, deux questions à toi poser. Qu'en est-il par rapport au featuring avec Papou? Ok, Papou a été invité au Cameroun par
un promoteur culturel. Et on a profité de ça pour faire le remix de la chanson Prends soin d'elle. Tout s'est très bien passé au studio. Vers le jour du tournage, il y avait un petit décalage. Et il était question que moi aussi j'aille au Togo. Et au même moment que je devais aller au Togo, j'avais aussi des trucs à faire ici. J'ai pas pu bouger. Voilà, c'est pour un. Mais le clip va se faire. D'accord. Parce que nous sommes des frères, Papo, et même bien, je l'aime bien. Et on est tous soucieux de savoir que ce projet ne doit pas mourir. On prend d'abord rapidement cet appel. Allô, bonsoir. Allô. Bonsoir. Bonsoir. Je t'appelle comment? Le Casa da Silva. Pardon? Le Casa da Silva. D'accord. Tu votes pour qui ce soir? Au petit pays. Petit pays. Tu aurais une question à poser à Dynastie le Tigre? J'aimerais savoir pourquoi. J'aimerais savoir à quel âge Dynastie a commencé sa carrière musicale. D'accord. Et la question, c'est qui nous réserve dans la vie. D'accord. C'est noté certainement. On passe le bonsoir à trois personnes. Oui, j'ai dit bonsoir à ma maman du côté du génie militaire. Elle s'appelle maman Libérée. J'ai dit bonsoir également à ma petite soeur qui t'appelle. Et bonsoir à toutes les connaissances. D'accord, merci d'être passé. Alors, certainement la question de ces téléspectateurs, Dynastie. Je crois qu'il y a déjà deux questions. Bon, c'est vrai, il y a la première question. Pourquoi est-ce que tu as mis du temps à faire passer tes clips sur Trace? Parce que je suis un chanteur, mais je ne suis pas un réalisateur de vidéogrammes. De un. Voilà. De deux, Trace sait ce qu'il recherche. Et c'est pour ça que, avant, Trace ne diffusait pas mes clips. Si aujourd'hui, depuis le projet avec Mike Kiesou, Trace diffuse, ça, c'est parce que j'estime que les réalisateurs qui ont été miens ont pu, n'est-ce pas, faire quelque chose de considérable à leurs yeux. D'accord. Alors, on repart rapidement avec cet autre appel. Allô, bonsoir. C'est quoi? Allô? J'attends les prenez pour le téléphone, pourquoi? Mais les gens appelaient en même temps, non? Non, ça sonnait, personne après. Non, c'est que peut-être je causais avec Dynastie. Voilà, ouais. L'anglais, monsieur. Pardon, donne fâcheuse. L'anglais, ne te fâche pas. L'anglais, c'est là, elle peut sortir la barrière, me donne le coup de poing. Non, on va arranger. Bon, d'accord, j'arrête alors. Comment est-ce que Dynastie t'appelle? Fleur de Dedo. Oui. C'est toi qui me menaces comme ça, là, merci. Bon. Après. Bon, d'accord, on a compris. Tu votes pour qui d'abord? DJ Yango. DJ Yango, hein? Mm-hmm. Bien, tu aurais une question à poser à Dynastie. Dynastie le Tigre. Oui, bébé. Assieds-toi d'abord bien. Je te gâte d'abord. Ça me manque maintenant. Je te gâte, non? Non, ne me gâte pas. Assieds-toi bien, non? C'est comme ça. Voilà. Allô? Oui, tata Flo. Qu'est-ce que ça bien, non? Ça, c'est que Maïs. Il est fatigué, je te dis, il est fatigué. Il a marché à pied pour arriver ici. Je ne suis pas fatigué, mais si je change de position. Bombo, je vais plus bien t'écouter. Hein? Je suis assis comme ça pour mieux t'écouter. Maman. Okay. Bon, tu as voté. Oui. Oui, tu as voté. Passe le bonsoir à trois personnes alors. Je donne un gros bisou à ma maman chérie. Je donne un gros bisou à mon fils préféré. Voilà. Je donne un gros bisou à mon coucou d'amour. Joël. Ok. Je vous donne un gros bisou en studio. Merci. Bon après, c'est vraiment fou. Merci d'être passé, tata Flo. Merci. Quand tu passes, on sait. Une vraie gare de doigts là-bas. Ah ouh. Mais c'est pas une panthère. Hein. Non, j'ai dit une vraie gamme. Ah, d'accord, voilà, cool. Parce qu'elle dit une la position. Allô, bonsoir. Bonsoir. Je t'appelle comment? Je m'appelle Mélanie. Mélanie, tu nous appelles d'où? J'appelle de la cité SIC. Depuis la cité SIC. Tu votes pour qui? Pardon? Tu votes pour qui? Dynastie. Dynastie.
Tu votes pour Dynastie, hein? Dédé Yango Kitoy. Je sais qu'il t'a, il t'a voilé les yeux, hein? Ah non, Dédé Yango. Ok, d'accord. Est-ce que tu aurais une question à poser à Dynastie? Je voulais savoir, est-ce que j'ai suivi que. Ah, elle est partie malheureusement. On espère qu'elle va nous revenir. Bonsoir à vous, le studio. Je vote pour Ndédié Yango. Un coucou à mon chéri Chou, Annie Kwedi, que j'aime énormément. Samuel Kitty depuis la cité Sig. Big up à vos frangins. C'est noté. Allô, bonsoir. Hello, bonsoir. Bonsoir, je t'appelle comment? Charlotte. Pardon? Charlotte. Charlotte, tu nous appelles d'où? Depuis Daido. Tu votes pour qui? Allô? Oui, je vote pour Petit Pays. Pour Petit Pays. Est-ce que tu aurais une question à poser à Dynastie le Tigre? Oui, oui. Vas-y. Pourquoi aimes-tu téléphone? Pardon? Pourquoi aimes-tu toujours son calme? Pourquoi il est toujours calme? Pourquoi il aime toujours pour les femmes? Ah, pourquoi il aime toujours chanter pour les femmes? D'accord, c'est noté. Alors, parce que j'aime la femme. Voilà, il a répondu parce qu'il aime la femme. Je chante pour les femmes parce que j'aime la femme. Voilà, il aime les femmes. La femme. Oh. Ah, d'accord, il aime la femme. D'accord, merci d'être passé, Charlotte. On repart en appel avec celui-là. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Je t'appelle comment? Je m'appelle Fallon. Fallon, tu nous appelles d'où? De Oyak. De Oyak, ok, c'est bien. Tu votes pour qui? Je vote pour Petit Pays. Petit Pays, c'est noté. Passe le bonsoir à deux personnes. Bonsoir à deux personnes. Je fais bonsoir à ma tante Cathy Brigitte. Voilà. Et maman. D'accord. Merci d'être passé. Alors, rapidement, on continue. Bonsoir à vous. Je vote pour... On prend d'abord cet appel. Allô, bonsoir. Bonsoir. Je t'appelle comment? Cécile. Cécile, tu nous appelles d'où? D'Aqua, Soudanais. Depuis Aqua. Tu votes pour qui ce soir? Dédié Yango. Dédié Yango. Tu aurais une question à poser à Dynastie? Oui, Dynastie, je crois d'abord ton pire. Respecte les téléspectateurs, c'est quoi? Voilà, c'est à Dynastie qu'on a dit, c'est pas à moi. Merci. À Dynastie, bien sûr. Ah, d'accord, Dynastie. Mm-hmm. Voilà. C'est quoi, Dynastie, c'est quoi? Je pouvais le faire, mais quand tu fais comme si tu me forçais, j'aime pas parce que je suis né têtu, tu vois un peu? T'aimes pas pour rien que tu puisses plus ta casquette, c'est vraiment têtu, papa. Merci. C'est une façon de sortir de tes gonds. Tu as quoi, non? C'est une façon de te voir bouger. Lago, tu as quoi, non? Oui, je suis à quoi. Moi-même, je suis à quoi, là? À, c'est quoi, doigt là-bas? Fini, alors tu me fais signe. Est-ce qu'il y a ton call box, alors, maman? Oui, donc, assieds-toi là-bas, bien. Bon, toi, bip-moi, alors. C'est bon, je me suis bien. Si, bip-moi. Oui, passe-moi ton nom, bah, et t'es bip. Tu vas voir que je suis une fille cadeau. Hey! Le plus beau cadeau que tu chantes là, c'est moi. Bien sûr, bon, je te donne mon numéro alors. Ok, d'accord. 696. Oui. 91. Oui. 76. Oui. 13. 696, 91, 76, 13. C'est mon numéro même. D'accord, ok. J'ai pas déjà croisé encore mes béquilles, non? Quoi, c'est béquille? Cécile, oui? Tu as voté? Oui, j'ai voté mon désir. Bon, passe le bonsoir à deux personnes. Tu as trop parlé. Je salue Mbo, l'ami de Dynastie, et mon futur fiancé. Oh. Ah, donc. ton futur fiancé, hein? Ok, merci d'être passé. Allô, bonsoir. Bonsoir. Tu t'appelles comment, mon frère? Roméo. Roméo, tu nous appelles d'où? Oui. Pardon?
Dakar. Dakar. Tu votes pour qui? Pardon? Il est parti, malheureusement. Bonsoir, je vote pour Petit Pays. Je passe un bonsoir à ma petite soeur Matoupi, à ma mère Koumis. Richard, voilà. Richard depuis Deido. C'est noté, Richard. On repart en appel. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Je t'appelle comment? Yamen Alex. Alex, tu nous appelles d'où? Deido. Depuis Deido, tu votes pour qui ce soir? Pardon? Dynastie le Tigre. Est-ce que c'est Dynastie qui a des filles ce soir? Ah, je ne sais pas. Regarde au bas de ton petit écran, s'il te plaît. Ah, c'est Petit Pays. D'accord. Bien, tu votes pour où? Vous dites. Petit Pays. Est-ce que tu aurais une question à poser à Dynastie le Tigre? Non, je dis simplement bon courage. Voilà. Merci, frère. Merci. C'est... D'accord. Bien, passe le bonsoir à trois personnes. Je salue mon épouse qui est à côté de moi. Oui. Je dis un gros bonsoir à ma maman. Ok. Merci d'être passé. Salut, est-ce que Dynastie le Tigre a une copine? Sinon, il y a une candidate, Nicole de Douala. Question pour Dynastie, aimes-tu les cadeaux? Et en même temps, elle vote pour Dédié Yango. Bien. On repart en appel. Allô, bonsoir. Bonsoir. Je t'appelle comment? Crispy. Crispy de Deido, comment tu vas, mon grand? Ah, je suis là. La journée a été, j'espère. Dieu, mais bon. On pousse, on met la carte. Non, c'est normal, mon frère, on est à Douala. Tu votes pour qui? Petit Pays. D'accord. Tu aurais une question à poser à Dynastie? Oui, oui, juste une toute petite. Hein. Vas-y. C'est comment, mon gars? Je suis là, Borda, et toi? Je veux juste savoir, quels sont les rapports que tu entretiens avec les artistes de ta génération? Je ne parle pas de ceux qui sont un peu plus au-dessus de toi, mais ceux qui sont de la même génération que toi. Est-ce que ça se passe bien? Vous appelez-vous? Vous voyez? Bref, dans l'ensemble, comment ça se passe? Bon, les artistes de ma génération, là, c'est bon. D'accord, Crispy, bonsoir à trois personnes. Déjà vous en studio. Merci. Mm-hmm. Et Aimé Carole de Saint-Marie. D'accord. Bon, Dynastie, tu peux répondre à la question. Ça fait beaucoup de questions. Ça fait beaucoup de questions, mais il y a des questions à répondre. D'accord. C'est là d'abord, en premier. C'est une très bonne question. Oui. J'ai des bonnes relations avec certains artistes qui sont mes amis. Ex-Maléa, c'est mes frères. Tu vois, Moustique Charismatique, c'est mes frères. Michael Kiesou, Andy, Dino Flo, Fanaldi, Tonton Boudo, Franco. Ils sont tellement nombreux qu'ils sont mes amis. On se voit en off. Lady Ponce, on n'a pas besoin. Charlotte Vanda, on se voit en cause de tout et de rien. Pas besoin de venir causer à la télé. D'accord, donc il cause avec, Dynastie cause avec les artistes de sa génération, bien entendu. Donc n'allez pas dire qu'il ne cause pas, qu'il n'a pas des amis. Ok, bien. Une autre question, Dynastie. Ouais. Quelles sont les relations que tu entretiens avec Stanley Inno? Les relations que j'entretiens avec Stanley Inno, c'est les relations de deux Camerounais qui font de la musique et qui ont fait un featuring. Et c'est limpide. D'accord. Vous êtes amis ou vous n'êtes pas amis du tout? C'est dit que Stanley et moi, nous sommes amis. C'est une chose, mais je dirais que nous sommes des frères. Parce que nous sommes tous deux jeunes Camerounais qui avons le souci de porter très haut la culture camerounaise. Donc, c'est mon frère africain, c'est mon frère camerounais. Et je respecte ce qu'il fait et ce qu'il est. Donc, d'accord. Non, Dynastie, c'est des frères camerounais, donc c'est ça. D'accord. Peut-être on reviendra là-dessus, mais pour l'instant, rapidement, ce SMS, question pour Dynastie, un petit cadeau, non, je vote pour Dédié Yango. Alors, c'est Cécile, voilà, qui a voté pour Dédié Yango. On repart avec cet appel. Allô, bonsoir. Bonsoir. Je t'appelle comment? Appelle Calvin. Calvin, tu nous appelles d'où? Je vous appelle de la BP. Depuis la BP Cité, tu votes pour qui ce soir? Je vote pour Petit Pays.
pour Petit Pays. Passe le bonsoir à... Pardon, tu aurais une question à poser à Dynasty, s'il te plaît. D'accord. Merci, frère. Passe le bonsoir à trois personnes. Et je passe le bonsoir à ma mère qui est du côté de la petite Italie. Oui. Toi qui est du côté de la terre. Voilà. Et à ma soeur qui est du côté de la. D'accord, merci d'être passé. Bonsoir à tous sur le plateau. Moi, c'est Lydie. Je vote pour Ndidi Yango. Je fais un coucou à ma maman, à mes frères et sœurs. Beaucoup de courage à Dynastie Lutique. Bonne soirée à vous. Merci. Voilà, c'est noté. On repart rapidement avec cet autre appel. Allô, bonsoir. Bonsoir. Je t'appelle comment? Allô? Oui, bonsoir. Je t'appelle comment? Yasmine depuis Bénédicte. Yasmine, comment tu vas, ma grande? La journée a été? Ok, tu votes pour qui? Didier Yango. Didier Yango, c'est noté. Tu aurais une question à poser à Dynastie? Non, non. D'accord, passe le bonsoir à trois personnes. Je passe à mon fils, c'est à côté de moi. Mohamed? Je dis bonsoir à Dynastie. Merci. Et je te dis bonsoir. Merci, Yasmine. Bonne soirée à toi. Alors, une question pour Dynasty. Peux-tu faire un show pour un ami? Bon, un show pour un ami. Je ne sais pas ce, quel genre d'amis. Si c'est les amis, amis. Qui nous lient parce qu'il y a le show. Ou bien c'est les amis qui savent que non, Dynasty, quand Dynasty a perdu papa, ils étaient là. Quand Dynasty a perdu maman, ils étaient là. Quand Dynasty était malade, ils étaient là. C'est ça l'ami aussi. Voilà, on repart rapidement avec cet appel. Allô, bonsoir. Oui, c'est toujours Mélanie. D'accord, Mélanie, on t'écoute. Oui, je voulais savoir, Dynasty chante toujours pour Javeri. Est-ce qu'elle est décédée vraiment, comme on dit? Est-ce qu'elle est décédée? Est-ce que Javeri est décédée, comme on dit? Non, c'est ce qu'on dit maintenant. Ouais, c'est ce qu'on dit. Et je voulais savoir parce que ça m'a beaucoup fait mal. C'est toi qui m'indiques, non? Zaveri, elle est infirmière à Lyon en France. Elle vit, elle n'a jamais été décédée. Ah, ok, merci. Merci, merci Mélanie d'être passée. Salut moi, salut Rose Paola de la cité Cicacao, voilà, de la Cicacao, autant pour moi. Je vote pour Ndidi Yango et passe le bonsoir à toutes les stylistes modélistes du CFPD et à toi Roland Rougier. Merci Rose Paola. J'aimerais que Dynastie, voilà, j'aimerais que Dynasty fasse le refrain de son morceau avec ton les Eno. Dynasty. Ta femme, c'est ton plus beau cadeau. Yeah. Si tu ne peux pas prendre son d'elle, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Tu verras, ta femme, c'est ton plus beau cadeau, yeah. Si tu ne peux pas le faire, si tu ne peux pas le faire, Team TV le fera ta place et tu verras. Voilà, merci. On repart rapidement avec cet autre appel. Allô, bonsoir. Parti. Bonsoir à vous, je vote pour Ndidi Yango. Je passe le bonsoir à Samuel Kitty, l'amour de ma vie de la part de Annie Kobla. C'est... C'est noté. On repart donc rapidement. Bonsoir à toute l'équipe de team. Moi, c'est Mohamed Etombi d'Aquanor. Juste pour dire à Dynasty que j'aime bien ses chansons. En particulier, Manikaka. Hein, Manikaka? Manikaka. Ah, Manikaka. Autant pour moi. Voilà. La prochaine, tu verras après, joue-moi le Menjang. Ah, après, joue-moi le Menjang. Le clip sera tourné en décembre. D'accord. En... Non, voilà. Je voulais prendre rapidement une autre question. Peux-tu être mon confident, Nicole? Bon. Je suis déjà ton confident. Non? On part d'abord avec cet appel. Allô, bonsoir. Bonsoir. Comment je t'appelle? Romuald. Pardon? Romuald. Romuald, tu nous appelles d'où? Espoir. Espoir. Tu votes pour qui? Pardon? Petit pays. D'accord, c'est noté. Tu aurais une question à poser à Dynasty? Dynasty, oui, je suis un petit acapella. Pardon? Petit acapella du Cameroun. Ah,
un acapella de sa musique. Certainement, il va le faire tout à l'heure. Hein. On va accorder encore 5 minutes à Dynasty après cette séquence, cette seconde manche d'émission. Ok, le bonsoir à 3 personnes. Bonsoir, ma maman. Oui. Et mon oncle est du Canada. Oui. Ok, merci. Merci. Salut à vous en studio. C'est Sandy depuis UCB. Je vote pour Ndidi Yango. Je salue ma mère à Bokito et mon oncle, lui, Marie. Et je fais un gros coucou à Dynasty. T'es trop chaud, gars. C'est pas moi qui. Même un pilote. Oh, yo. Merci. D'accord. Rapidement, on va repartir avec cet autre SMS. Je vote pour Petit Pays. Je suis éboulé. Voilà. Et Boulet a voté pour Petit Pays, tout simplement. Salut, c'est Julie de la Cité C que je vote pour Ndidi Yango. Je passe un gros coucou à Dynasty, le Taïga. Merci. C'est noté rapidement. Bonsoir, je vote pour Ndidi Yango. Je dis bonsoir à Léo, Marianne et Carole. C'est Rosine depuis l'aéroport. Voilà, c'est noté. Rapidement. Pourquoi votre numéro d'appel est toujours indisponible? C'est tout simplement parce que plein de personnes voudraient appeler en même temps. Donc, utilisez le laps de temps entre deux appels. On repart. Non, ça, c'est déjà, ça a déjà été lu. Bonsoir à vous au studio. Moi, c'est Yvan Amougou depuis le campus 2. Je vote pour Petit Pays et j'aimerais savoir si Dynasty a fréquenté au lycée bilingue des Bois. Si oui, quelle classe? Dynasty a fait une seule classe au lycée bilingue des Bois, en classe de 3e. Et c'est tout. D'accord. Dynasty a fait une seule classe au lycée bilingue des Bois. Donc, rapidement, on revient. Je veux le refrain de la fille de ma voisine. Le refrain de la fille de ma voisine. Ça, certainement. Mami Yanga, oh 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 oh, eh. Mianga, oh, 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 la fille de ma voisine voulait que je la zanzan, mais je ne pouvais pas la ma, car si je la ma, je perds ma place de futur un koukouma, car je suis le prince et mon père c'est un koukouma, un koukouma, un koukouma. D'accord, merci. Désolé, c'est encore Vidal de Bonhomme Sadi. Je vote pour Petit Pays, Dynasty, je kiffe grave Tazik. Merci. Voilà. On continue rapidement avec ces autres SMS. Roland, s'il te plaît, dis à Dynasty que j'aime sa musique, sa voix et sa personne. Je ne sais pas comment faire pour le rencontrer. Oh, d'accord, c'est vrai. D'accord, voilà, je reviendrai sur cet autre SMS tout à l'heure. Salut, je me prénomme Nana Aïchatou. Depuis Yaoundé, je vote pour Petit Pays, merci. Voilà. C'est noté. Alors, là, la régie nous fait le signe pour nous dire que c'est fini. Encore 3 minutes avec Dynasty le Tigre. Alors, Dynasty. Ouais. Alors, parle-nous de tes projets. Là, 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 je sais que là, on est en train de parler de Joue-moi le Menzang. Joue-moi le Menzang, c'est le projet mère en ce moment. Et Joue-moi le Menzang parce qu'on doit jouer du Menzang. Et tant qu'on ne joue pas du Menzang, nous ne serons pas en train de valoriser notre culture. Donc, tout tourne sur Joue-moi le Menzang. C'est pour ça que ce soir, Dynasty invite tous ses fans de Douala de venir très très nombreux ce soir au Georges V. On va jouer du Menzang là-bas. Et on va le faire ensemble. On va jouer du Menzang. Hein, Jasby? Toi aussi, même les Bamleke jouent du Menzang. C'est mon manager. Lui, les Bamleke, moi, je suis Yaoundé. Et je l'adore parce qu'il est sincère et il bosse beaucoup. J'ai dit merci à la Tiger Production Team TV et tout. Donc demain, je joue à Bamenda, demain vendredi. Après demain, c'est samedi, je joue à Bafsam. Je reviens à Douala dimanche. Et je viendrai encore faire jusqu'à jeudi, faire quelque chose ici. Donc après, il y a d'autres programmes qui viennent. Oui, qui arrivent. Déjà, d'ici novembre, Dynasty ira à Hollywood pour représenter le Cameroun. Comme étant la meilleure collaboration dans la catégorie meilleure collaboration, nous sommes nombreux. Il y a plein d'artistes. Il y a les Whiskey, il y a les Pisco, les Shane Paul, les Timaya,
et nous sommes nombreux, nous irons, n'est-ce pas, ces awards, Africa Entertainment Awards. Les African Entertainment Awards, oui. Voilà, donc on a été nominé d'ici novembre. Dynastie, celui-là qui est appelé à les représenter, le vert et jaune avait le titre Prends soin d'elle. D'accord. Alors là, les contacts directement, là, les contacts pour ceux qui auront besoin, par exemple, de t'avoir, voilà, c'est déjà au bas du petit écran. Ce sont voilà. Des contacts de l'artiste. Les gars, c'est mon callbox là. Pour tout show. Ici en bas. Ouais. Voilà mon callbox. Ah d'accord, certainement. Alors rapidement, on va se tourner vers la régie pour applaudir et ensuite on prendra ce dernier SMS à l'endroit des dynasties. Conclure rapidement, hein, je prends un extrait de ce SMS qui est à ton endroit. Salut à la star Dynastie Le Tigre, juste pour te dire beaucoup de courage. Merci. Et sois toujours sympa et va de l'avant. Ne te prends pas surtout la tête. Moi, je t'apprécie juste un peu et j'ai quelqu'une qui est trop fan de tes morceaux. Nature, merci pour le support des femmes. En tout cas, beaucoup de courage. Ça, voilà, d'accord. Salut à monsieur le boss de Team TV et à toi le présentateur. Bien, merci tout de même pour ce SMS signé Doris Reiza de la cité. Voilà, certainement bien de choses à toi, Doris Reiza. Alors, Dynastie, ton mot de fin, rapidement. Mon mot de fin, c'est s'il te plaît, ma soeur, n'avorte pas, Wakara. On ne sait jamais, peut-être que c'est l'enfant que tu veux, je t'en essaie. Sinon, dans ton cabangolo, tu me prépares le biloro pour faire grandir mon doro. C'est pourquoi moi je te doulou, parce que la fille de ma voisine voulait que je l'entoure, mais je ne pouvais pas l'entoure, tout. Et si elle a fait ça, c'est parce que j'avais chanté dadi dadi. Dadi dadi, oh, elle m'a giflé, bam, j'ai chanté comment danses-tu comme ça. Elle a dansé, après j'ai dit ta femme, c'est ton plus beau cadeau, yeah. Si tu ne peux pas prendre soin d'elle, comme j'ai vu, elle était trop contente, je voulais qu'elle danse encore, j'ai dit, joue-moi le menjang de chez nous, joue-moi le menjang de chez nous. Trop fort, il n'y a pas de... Donc, on dit ce soir, rendez-vous au Georges V, comme j'ai dit, tous mes fans de Douala. Et le clip Joue-moi le menjang, vous pouvez déjà le regarder sur YouTube, Dynastie Le Tigre, Joue-moi le menjang. Donc, c'est un peu ça, et que Dieu bénisse la jeunesse, que Dieu bénisse l'Afrique. Merci pour le soutien. Voilà, c'était Fun and Free, édition de ce jour, dernière bien sûr de la semaine. C'était un réel plaisir d'être en votre compagnie. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine lorsqu'il sera 19h sur Team Télévision. Ce sera certainement lundi. D'ici là, restez scotés sur les programmes de Team TV. Rediffusion demain lorsqu'il sera 5h30 sur la télé. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Non-stop party!
non-stop party.